là aussi, si on regarde le langage écosystémique de la nature, c'est la diversité, c'est pour ça qu'elle s'appelle biodiversité, qui permet à la vie d'être foisonnante, riche et pérenne. Plus on s'isole, plus on rentre dans un principe de compétition, plus on rentre dans un principe de prédation et d'accaparement et d'accumulation, plus on rentre dans un fonctionnement qui est violent, qui est guerrier et qui va à l'encontre finalement des intérêts de la vie elle-même. Et c'est vraiment ça que les peuples autochtones tentent de nous faire comprendre, je pense.